Bonjour, bonsoir, ça dépend là où vous êtes. Bienvenue dans mon monde, mes amis. Vous savez que mon monde, c'est le monde des savons. Vous voyez que c'est les savons que j'ai la main. Ce n'est pas le savon que je vais vous parler. Je vais vous parler de la sorcellerie. Parce qu'il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Il y a une sorcellerie là qui est vraiment une sorcellerie la sorcellerie la plus grave. Que peut-être vous ne savez même pas ça. Que même moi qui vous parle là, je ne savais pas ça. Ça, c'est clair. Mais je vais vous citer aussi un peu, peut-être cinq sortes. Si vous souffrez de ça, disons que si vous souffrez de ceci, ça veut dire que c'est une sorcellerie qui a été enterrée. La sorcellerie qui est enterrée, c'est une sorcellerie qui est souvent très, très difficile à faire partir. Vous devez vraiment vous faire soigner pendant un bon bout de temps pour que ça parte. Ou bien même, cela vous entendez souvent qu'il faut qu'on aille déterrer ce qu'on avait enterré. Ouais. C'est ça qui rend les gens malades, c'est ça qui tue, c'est ça qui nous bloque. C'est ça qui fait en sorte qu'on n'avance pas. C'est ça qui fait en sorte qu'on perd la mémoire. C'est ça qui fait en sorte que on fait des cauchemars dans la nuit. Par exemple, si vous avez par exemple les douleurs dans la tête, ça peut être que ça peut vous donner un peu. Donc ça dépend, c'est que on veut vous faire subir, qu'on va aller enterrer. Par exemple, si vous avez de temps en temps des maux de tête bizarres, peut-être que on est allé enterrer ça en disant, parce que je vous dis ici tout le temps que la vraie magie, c'est la parole. Peut-être en allant enterrer, on s'est fixé sur ta tête. Peut-être en allant enterrer, on a dit que tu dois avoir les blocages, que ce soit dans le mariage, l'école, le travail, que tu ne vas jamais trouver le travail, tu ne vas jamais te marier. Même avoir un ami, on prend ça, on enterre et on parle que sur ça. Ça peut être le cas. Ou bien, par exemple, vous faites toujours les rêves que vous tombez dans le vide. Voilà un truc. Mais parfois, dans le vide, oui, ou bien, ça peut être que. Mais l'autre là, c'est autre chose. Si vous rêvez tout le temps que vous tombez dans un puits ou bien dans un trou, ça là, ça peut être la prison. Oui, ça peut être la prison et ça, ce n'est pas bon. Tomber dans le vide, noir, 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 ce n'est pas bon. Ça, c'est vraiment les blocages qui n'ont pas de sens. Ou bien, par exemple, vous pouvez avoir que vous n'êtes pas concentré, vous voulez vous concentrer sur quelque chose, il y a quelque chose qui vous déconcentre. De tout temps en temps, peut-être vous êtes à l'école, vous n'arrivez pas à vous concentrer avec les autres. Ce que le professeur dit, ce n'est pas ça. Vous faites même la formation, ça n'entre pas. Peut-être on a fixé ça dans ce sens que toi, tu ne feras jamais rien. Ce que ce soit sur la formation, à l'école, on va enterrer ça quelque part. Et on va parler sur cette chose-là. C'est un peu ça que la vraie magie, comme je dis encore, même si même si vous pouvez même parler n'importe quoi, mais ce que vous allez dire avec votre cœur, votre foi, tout ça, c'est ça qui va sortir, ça va sortir, vous allez sortir ça dans votre ventre et poser ça par terre et enterrer avec tout ce que vous, avec que ce soit les écorces, que ce soit des feuilles, on enterre, on enferme. Et vous voilà, vous n'arrivez plus à rien, à vous concentrer, que ce soit on est en train de dire quelque chose, même ta femme, que ton enfant te dit quelque chose, tu n'es pas là, tu es ailleurs. Ouais, non, ça c'est un peu les... Bon, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein, parce que vraiment la sorcellerie c'est différent, parfois on n'arrive même pas à comprendre. Ou bien, vous allez vous coucher, vous avez du mal à respirer. C'est comme si quelque chose se bloque. Ça, c'est les sorcelleries qu'on enterre, parce que ça, c'est enterré avec des paroles incroyables. Bon, il peut y avoir les sorcelleries que c'est comme ça, là, ça en l'air, ça encore, ça peut... On peut débloquer ça le plus vite possible. Ça, c'est les disons ça, on appelle ça les petites sorcelleries. Mais ce qu'on a enterré, de toute façon, tout le monde doit savoir ça, que tout ce qu'on enterre déjà, ce n'est plus bon. Maintenant, il faut quelqu'un qui peut savoir qu'on a enterré, ou même, on peut aller t'envoûter, hein, même l'envoûtement. Quand on envoûte, on enterre quelque chose, quelque part, avec des paroles. Vraiment, il faut qu'on regarde ça, où on a enterré ça, dans quel endroit, pour qu'on ait déterré ça déjà. Et après, te faire encore une bonne déblocage normal avec des feuilles, des fleurs, disons ça comme ça, là, avec des écorces, les racines, pour que tu sois quelqu'un de naturel, donc de normal, si vous voulez. Donc voilà, donc ne vous amusez pas vraiment. Il y a des gens qui pensent que ça n'existe pas, ou bien ceux qui sont venus en Europe pensent qu'ici en Europe, il n'y a pas la sorcellerie. Est-ce qu'un esprit a besoin de prendre l'avion? Non. Un esprit a besoin de prendre la voiture? Non. Est-ce qu'un esprit a besoin du visa ou bien de payer le billet d'avion? Non. Non, même pas un peu. Hein. La nuit arrive, paf, il s'en va, il va faire son besoin, comme on dit. Donc, voilà ce que je voulais vraiment vous dire, que la sorcellerie enterrée est une sorcellerie qui est vraiment plus...
plus grave que les autres. Je pense, bien sûr, vous connaissez autre chose, pardon, mettez-nous ça en réaction à part de ce que je viens de dire là. Mais sinon, la vraie magie, c'est la parole. Encore une fois, comme vous-même, vous les chrétiens qui allez à l'église, vous savez que ils disent que Dieu, qu'est-ce que Dieu avait fait, la première des choses que Dieu a fait, c'était la parole, non? Donc voilà, mes amis. Donc, en revenant encore sur la crypto-monnaie, comme d'habitude, que je ne fais plus de vidéos sans parler de la crypto-monnaie, c'est la monnaie de maintenant. Voilà qu'un pays qui s'est avancé, il a légalisé ça. L'Équateur. Allez taper sur Google Recherche. J'ai parlé de ça mardi. Allez regarder sur Google Recherche. Tapez ça, vous allez voir que là-bas, maintenant, tout est possible. En tout cas, on achète tout avec la crypto-monnaie. Heureusement que lui, il a pris. Vraiment, c'est un homme qui a. Le président l'a pris son courage en main, entre les mains, et dit que bon, maintenant, moi, dans mon pays, c'est un petit pays, je légalise ça à tout le monde parce que c'est bien. Ça permet à chacun d'avoir son compte. Ça permet à chacun d'être libre financièrement. Ça, c'est ça. Ça permet à ce pays-là que quand tu as ta carte, tu peux aller n'importe quel pays, tu mets seulement ta carte, tu prends le liquide de ce pays-là, tu utilises. C'est ça qui est très intéressant dans la crypto-monnaie. Donc, ça n'est plus l'histoire qu'on faudrait encore aller changer la monnaie. Après, c'est le taux qui baisse, qui monte, qui fait quoi. Non, c'est la même chose partout. La même chose partout. On ne va pas te couper les. Oui, c'est clair, tu vas payer les intérêts, les frais, mais c'est très, très minime. Par rapport à, disons, que tu vas aller envoyer l'argent à la une personne par Western Union ou bien par RIA. Non. Là-bas, vraiment, c'est tout, 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 tout. Ça ne coûte même rien, je peux dire ça ainsi là. Donc, mes amis africains, ne restez pas derrière. On doit suivre les autres. Suivons les autres. Je ne veux plus entendre que pourquoi nous, on n'avance pas, les autres avancent. Non. Maintenant, tout le monde a droit à un compte. Tout le monde, je dis bien, les comptes sont gratuits. De toute façon, si vous voulez trader là-bas, tu t'enregistres. Si tu fais venir quelqu'un, la personne s'enregistre, la personne achète les jetons, comme on appelle. Vous avez les deux, 50, 50, 50, 50 dollars. Hein? Ah oui. Bien sûr, les 50 dollars, là, c'est pour payer les frais. C'est mieux. Comme ça, là, quand tu vas vouloir trader, tu n'auras plus à payer les frais. Donc, tes 50 dollars, là, te permettent de faire cela. Donc, voilà, mes amis. Donc, en disant maintenant, si vous n'arrivez pas à vous enregistrer, finis derrière. Moi, je vais vous enregistrer et vous changez votre mot de passe. Donc, voilà. N'hésitez pas, il y a les savons qui sont. Les savons sont. Vous venez me voir en privé pour les savons. Si vous voulez vous débloquer, vous désenvoûter, avoir un peu de chance, venez me voir. Ça, par exemple, ça, c'est le savon pour les mêmes personnes. J'ai encore oublié de ça. On peut aussi vous faire un envoûtement avec vos mains. Que tout ce que vous allez toucher, vous n'allez rien faire de ça. Ça sera noir. Ça ne va rien produire. Ça, c'est beaucoup de personnes ont ces histoires-là. Beaucoup, beaucoup. Encore une fois, les purifications, les déblocages aident à ça. Donc, j'hésiterai pas à vous dire ça tout le temps dans mes vidéos, que débloquez-vous, purifiez-vous tout le temps. Ça marche comment? Ça marche comment? Déblocage, ouverture, protection. C'est comme ça que ça marche. Les trois là doivent marcher. Vous devez faire ça au moins 7 fois par an. Surtout l'ouverture. Parce que le déblocage, ça ne se fait pas tout le temps, tout le temps. Mais l'ouverture, vous pouvez le faire ça au moins 3 jours par mois. Ça va vous aider. La protection, vous pouvez faire la protection. Pourquoi pas tous les 6 mois? Pour être vraiment bien dans votre corps. Ça aide beaucoup sur ces histoires-là. Donc voilà, mes amis, une fois encore de plus récapitulatif. Donc, c'est pour savoir si vous êtes vraiment, si vous êtes atteint de la sorcellerie grave, la sorcellerie qui est enterrée n'est pas bien. Donc, si vous constatez que vous avez les maux de tête tout le temps, tout le temps, vous avez les blocages au niveau du mariage, au niveau des amis, au niveau du travail et au niveau, même pour la formation, pour un examen, ça peut être que c'est ça. Si vous avez, par exemple, vous rêvez que vous tombez dans le vide, ça peut être que c'est ça. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer, ça peut être que c'est ça. Si vous n'arrivez pas à respirer normalement, quand vous allez vous coucher, ça peut être que c'est ça. Là, je parle au conditionnel. Je dis que c'est différent des uns des autres. Ça peut être que peut-être c'est le pied, c'est un corps qui est mort,
C'est la tête qui vous avez les maux de tête 24 heures sur 24. Donc, il faut vraiment regarder ça. Allez d'abord à l'hôpital. Si on ne trouve rien, là, retournez-vous chez vos ancêtres. Donc, voilà, mes amis. Donc, vous